Ici, euh, sur ce secteur, donc, il y a eu un incendie ponctuel il y a environ 10 ans et, euh, et environ 20 ans en arrière, un incendie très important qui a touché à la fois euh, les Aspres et en partie cette zone. Ça montre bien que souvent on a une vue à court terme de, de la gestion du milieu et de l'espace. Et pour essayer d'enrayer ce phénomène, l'idée ici sur ce site est de trouver plusieurs partenaires, de s'associer pour mettre en place un plan de gestion du milieu en tenant compte bien sûr des espèces, du paysage, mais aussi des agriculteurs locaux, de manière à ne pas se retrouver dans le schéma cyclique de tous les 15 ou 20 ans où on est confronté à des incendies qui posent de gros problèmes par la suite. On a fait gyrobrailler cette surface. Et derrière, on s'est arrangé avec Ile-Fruit, avec un partenariat avec Ile-Fruit ainsi que la chambre d'agriculture, pour venir et faire un épanage de pêche et semer derrière. Sur les cultures comme ça, on voit pas mal le gibier. On a du lapin qui se, trouve, qui se situe tout autour de la surface. Le pedro qui vient régulièrement, parce qu'il y a pas mal de mètres, ça tire pas mal de bestioles. Les graines qui tombent aussi, bien entendu. De temps en temps, un chevreuil, le changlier qui vient manger. Mais enfin, disons que pff, tout le monde y trouve son compte. Quoi. Donc pour nous, euh, des ouvertures comme ça sont relativement intéressantes. l'intérêt ici c'est que cette céréale a été à vocation faunistique c'est à dire pour favoriser perdrix euh, la paix mais également aussi passereaux et ainsi favoriser les, les insectes et dans ce cas là en protégeant la, la céréale on voit nettement que, que les vaches ont utilisé le site sans dégrader la céréale mais tout en ouvrant en périphérie la zone et en entretenant les bords de chemin et la bordure de la, de la céréale on a un bon exemple de, de gestion euh, d'un endroit donné avec à la fois une culture faunistique et l'intervention du bétail sur le milieu. C'est vrai que ça, ça a été fait uniquement qu'avec de la récupération. Donc, il euh, faut, faut voir avec des artisans maçons qui ne jettent pas les tôles. Et on les recouvre de tuiles, de manière à le remettre dans le, comme c'était avant, euh, dans le style de, du territoire, quoi, où, pour rester dans le vrai. Par contre, le plus gros investissement, c'est le chéneau, avec toutes les fournitures qu'il faut pour le monter. Rien que ça, ça fait déjà 70 euros. La citerne, c'est un copain qui me l'a donné. On essaie de récupérer tout le maximum, de manière à faire retomber tous les coûts. Nous ne sommes pas des, des aménageurs euh, euh, disons de grande envergure, mais no, notre intérêt, c'est un peu comme ce que nous avons pu voir c'est des petites parcelles, mais multipliées. Hein, plutôt que d'avoir des, des. Nous ne sommes pas en Bosse et en Brie, d'ailleurs, on voit le, 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 avec le site euh, caillouteux que nous avons ici. Mais pour nous, l'intérêt, c'est d'avoir une multiplication des parcelles sur lesquelles le gibier pourra venir le gibier, je dirais, et la faune en général, parce qu'à travers ce que nous faisons, bien sûr, ça c'est toute la faune qui en bénéficie.